très plaisir d'être avec vous. C'est toujours vraiment un special feeling, comme on dit, d'être dans une telle ambiance avec des jeunes qui sont très motivés, plein d'espoir et volonté, surtout pour faire avancer les choses et évoluer dans notre économie nationale. Alors, parlons d'un nouveau modèle économique. Je pense qu'il faut noter que oui, vous avez été vraiment très engagé et surtout proactif. Déjà, donc, dès 2012, on a lancé un programme qui s'appelle Startup Factory, qui s'appelait Startup Factory. Et clairement, c'était une des initiatives qu'on a lancées. Et dans ce contexte-là, nous sommes fiers d'être avec vous parmi membres de cette initiative. Alors, ce qui est important, c'est que nous croyons que pour établir un nouveau modèle économique, il y a deux éléments essentiels. Alors, évidemment, l'esprit entrepreneurial, donc la volonté d'entreprendre et de vraiment d'être proactif. Et il y a aussi le deuxième élément qui est l'innovation. Donc, la majeure contribution dans ce contexte de Ouidou étant donc Startup Factory qu'on a développé pour créer maintenant une plateforme qui s'appelle INTILAQ. INTILAQ, je ne sais pas si c'est connu par la présence ici, mais permettez de présenter rapidement, et je pense que c'est un maillon parmi d'autres, parmi ceux qui se complètent avec des telles initiatives comme ce programme-là. Alors, INTILAQ, c'est un business innovation qui a comme objectif donc, de créer des champions. Des champions, donc des startups qui peuvent être acteurs au moins sur le plan donc, régional, mais aussi notre objectif, c'est d'aller au-delà, notamment à l'échelle internationale. Alors, les éléments de cette plateforme, tout d'abord, nous voulons donc, compléter et complémenter ce qui existe et nous croyons dans le réseau. Et là, on est en partenariat aussi, même dans ce contexte-là. Donc, le réseau, toute initiative comme celle d'aujourd'hui, donc d'être dans un mode complémentaire et coopératif. Et puis le support end-to-end, c'est-à-dire on accompagne le jeune entrepreneur de l'idée au financement. Actuellement, on parle d'un financement de 250 000 dinars en moyenne par startup. Donc je vous encourage d'aller au-delà de l'idée, au-delà du business plan et de concrétiser votre business et justement de contribuer à créer de l'emploi. Et l'ITIA offre quatre composantes essentielles. Donc là, Ouidou et ses partenaires offrent un tech center, technology center, avec beaucoup de possibilités pour concrétiser vos idées et vos projets. Juste pour citer un chiffre, on a contribué au développement de 280 mobile apps en 2014. Et puis la deuxième composante qui est le funding program, le programme de financement tel que j'ai déjà évoqué. Actuellement, on a un portefeuille de 21 startups qui sont établies. Parmi ces startups, il y a deux qui ont participé à Silicon Valley pour des pitches devant des sociétés de taille comme YouTube, comme Google. Et je peux vous dire que le feedback qu'on a eu est très, très positif, ce qui souligne et qui confirme qu'il y a un bon potentiel. Donc, encore une fois, allez-y, et il y a vraiment beaucoup de moyens et beaucoup de possibilités pour vous exposer, pour vous accompagner. Alors, c'était la deuxième composante. La troisième composante étant le Career Center, et l'objectif étant de vous accompagner, vous aider en termes de skills enabling,
dans ce cadre des soft skills, donc trainings, mais aussi des certifications, des programmes de certification qui sont jusqu'à 30% du prix du marché, qui sont donc accessibles aux jeunes. Et il y a même des moyens complémentaires pour financer les certifications. Et finalement, le Academic Center, qui est la dernière composante des INTILAQ. Et la vocation de l'Academic Center, c'est la innovation to business. Donc tout ce qui est, toute idée qui est dans le laboratoire, dans le cadre universitaire, on essaie de la faire sortir pour mettre en place des startups et contribuer ainsi au dynamisme économique national. Bref, donc je ne vais pas tarder trop, je pense qu'il y a 5 minutes et donc j'ai... Donc, je vous encourage, je vous invite à être vraiment innovant, à être créatif. Le cadre est là, dans notre encouragement, dans le cadre de ce programme-là, mais aussi INTILAQ qui offre beaucoup de moyens et beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout de joie. Merci.